Stéphane, donc voilà, je me trouve actuellement sur le stand Milo, donc avec Gérald et Monsieur Milo, justement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, je sais que vous êtes des habitués du salon, je crois. Ça fait déjà quelques... Non, c'est en ce qui nous concerne, la deuxième année. D'accord. Hein, on est arrivé ici par l'intermédiaire. On a eu la chance de rencontrer l'équipe de France Carpe. Et on a plus ou moins, on a sympathisé. On est même devenu leur sponsor principal. Et ils nous ont demandé d'être présents à leur salon. C'est un événement qu'ils organisent eux. Et donc, d'être présents avec une autre catégorie de pêche à la carpe, la pêche à la carpe à la grande canne. Justement. Et ça, il y a 2 ans, puisque le salon a lieu tous les 2 ans. J'allais venir, justement, ce n'est pas une technique courante par rapport aux autres carpistes. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technique de la grande canne? Oui, ce n'est pas une technique courante, mais c'est une technique qui est maintenant en France depuis une douzaine d'années. Et moi, pour essayer de lancer ça en France, je me suis inspiré des Italiens qui avaient commencé avant nous, des Italiens, des Belges et des Anglais qui avaient commencé ce genre de sport avant nous. C'est ni plus ni moins que aujourd'hui, les moucheurs ont leur truitodrome qui s'appelle des réservoirs à truites, donc avec des poissons surdensitaires pour aller exploiter des techniques différentes. Et aujourd'hui, nous, avec les carpes, on a aussi nos réservoirs qui s'appellent les carpodromes, avec des carpes sous-densitaires, et on y fait des compétitions dedans. D'accord. Bah, Gérard, merci beaucoup. Monsieur Milo, merci à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne fin de salon et bon courage pour la suite. Merci. À vous.